Hello tout le monde, c'est parti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui en voix off. Donc une séance commentée avec Vénus, mon nouveau cheval. Enfin, c'est pas le nain, mais maintenant je vais commencer à faire des pensions, enfin à prendre des pensions, donc des chevaux en pension. Et Vénus, du coup, c'est le cheval de ma cousine qu'elle m'a conseillé du coup pour le travailler parce qu'il est vraiment très compliqué. Donc vous allez le voir dans la vidéo, là c'est une séance de saut avec Vénus. Je vais pas vous le cacher, ça a un peu tourné au drap à la fin. Vous verrez après. Hein. Donc là on fait la détente, il essaie sans cesse de me prendre la main pour galoper. Donc je vais toujours garder mes mains fixes parce que si mes mains balançaient dans tous les sens, il avait une raison d'être mécontent. Donc voilà, mais vous voyez là, quand je voulais le faire marcher tranquille, il essayait de me prendre la main pour partir au galop. Donc c'était compliqué de le gérer. Voilà là, du coup j'essaie de le faire marcher tranquillement, mais bon, vous voyez, c'était un petit peu compliqué quand même. Donc là, vous voyez, il avait bien les oreilles en arrière. Là, il me donnait des coups de tête. Bon, là, on galope et il m'embarque à fond les ballons. Donc là, vous voyez, je repasse un peu trop pour reprendre un peu le contrôle. Mais bon, je l'ai quand même pas trop le contrôle. Hein. C'est le cheval le plus compliqué que j'ai monté de toute ma vie, je crois. Il est super chaud, super compliqué. Enfin voilà, il est vraiment dur à gérer. Hein. Là, j'essaie de le faire marcher dans le calme, mais là, vous voyez, il essaie de trotter. Bon, là, j'ai un peu tiré sec, donc je comprends qu'il soit pas trop content. Là, c'était ma faute. Mais bon, là, vous voyez, j'essaye encore de le faire marcher dans le calme, tranquillement, mais j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc là, vous voyez, il essaye encore de faire n'importe quoi. Voilà, là, on commence à sauter. Là, il galope alors que je lui ai rien demandé. Il fait des énormes sauts. C'est n'importe quoi. Genre, regardez, je fais des énormes sauts. J'étais pas prête. Bon, par contre, il fonce vraiment beaucoup sur les obstacles. Donc, c'est dur d'être prêt à sauter avec lui, quoi. Bon, là, vous voyez, des fois, je me laisse un peu avoir par surprise. Là, j'ai tourné trop sec. C'était ma faute pour le coup. Là, je tente le triple. J'ai que réussi les deux premiers, j'ai pas réussi le troisième, vous voyez, j'ai galéré vraiment parce qu'il fonçait sur l'obstacle, donc j'étais pas prête. Là, il a dérobé, donc j'essaie de faire un grand cercle, mais il m'écoute pas. Là, il a foncé sur un obstacle, donc du coup, il a refusé. Bref, c'était le bordel à ce moment-là. Là, on y retourne, pareil, je tourne trop sec, donc là, on le saute. Là, clairement, j'étais pas prête à ce qu'il le saute à la base. Celui-là, pareil, j'étais pas prête. Là, il m'embarque. Là, ça part en n'importe quoi. Clairement, là, il m'écoutait pas du tout. Enfin, j'étais pas du tout à ma place pour le coup aussi. J'arrivais pas à le gérer. C'était très compliqué. Là, je galérais clairement. Et là, vous allez voir, ça va être le drame. Donc, comme vous l'avez vu, je suis bien évidemment tombée. Voilà. Donc, je vais un peu vous expliquer ce qui s'est passé. En gros, là, j'avais plus le contrôle, j'étais plus du tout à ma place, j'étais pas prête à ce changement d'humeur du poney. Donc, j'ai fait un petit peu de la merde. C'est-à-dire que je l'ai laissé totalement faire. J'ai juste essayé de tenir, mais c'était pas du tout la solution. Je dis même pas essayer de le calmer. Enfin, bref, du coup, je suis tombée. Et je suis tombée sur le bras, genre directement sur le bras. J'étais très mal et j'arrive plus à m'appuyer dessus. Enfin, ça faisait super mal. Donc, pour me lever, c'était très très compliqué. Parce que je me disais, mais c'est pas à la jambe non plus, quoi. Mais ça faisait très mal. Genre, après j'essayais de me lever, mais avec que mes jambes, donc sans ma pied sur la jambe là. Bref, c'était déjà très très handicapant, mais après c'est devenu pire vraiment. Et quand j'essayais d'attraper le cheval par les rênes avec mon bras, là j'ai senti mon épaule comme si elle allait tomber, quoi. Bref, du coup j'ai appelé. Heureusement, ma sœur à ce moment-là, et bah elle filmait, du coup elle est venue et elle m'a aidé à la ramener le loulou et tout. Puis après, on est allé à l'hôpital. Et du coup, j'ai l'épaule cassée, voilà, donc je pourrais pas monter pendant 3 semaines. Du coup, c'est ma cousine et ma soeur qui vont s'occuper de mes chevaux, donc il n'y aura pas de vidéo normalement pendant 3 semaines. Voilà, bisous.